Regardez-moi ça, la brume, on ne voit absolument rien du tout. Je suis sûr et certain que dans la vidéo, ça paraît moins fort, enfin. Je suis sûr que vous arrivez à voir mieux que moi. Contresens. En bas de la ville, près de la mer, il n'y avait pas de brume. Ça s'est dispersé plutôt. Mais là, franchement, juste pas loin du stade. Stade 23 juin, c'est ça, 21 juin, je sais pas. Tout près. On ne voit absolument rien du tout. Foot. Du bouchon, comme d'hab. Regardez-moi cette brume. Truc de ouf. À 8h30 du matin, binage Dida. Binage Dida qui s'ouvre. Petit papier. Ah, bien sûr, sahabi. Hein? Ça roule là, très bien, alhamdoulilah. Ça aide. La brume matinale et tout. Bonne journée. Théâtre. Regardez-moi cette vue magnifique. Regardez-moi ça. Ah, ça sent le pipi. Inouche. Regardez-moi cette vue. On était là-haut la dernière fois. Mais bizarrement, la vidéo n'a pas attiré beaucoup de monde. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'était joli. Regardez-moi cette vue magnifique. La montagne qui est couverte un peu d'une brume matinale. Santa Cruz, elle est toute petite là-bas. Et à l'église Saint-Louis juste à côté, je compte aller faire un petit tour, un petit passage enfin. On va y aller là-bas. Je sais pas si vous le voyez ou pas. L'église, on y va. Il y a aussi une mosquée qui a l'air plutôt ancienne. On va y aller. Magnifique. Voilà. Il y a quand même des bâtiments qui ont été rayés de la carte. Ah oui. Plus rien de ce bâtiment, c'est impossible de le retaper. On continue tout droit, l'île Beyer à vendre. Il y a certains bâtiments qui tiennent toujours debout et il y en a certains, franchement, qui sont irrécupérables. Passer par ici en principe, oui. Allez, juste pour info, l'eau potable
L'eau potable, elle est vendue, enfin, l'eau pour boire, enfin. Il faut faire la différence entre l'eau potable et l'eau qu'on peut boire. Parce que l'eau du robinet est plutôt remplie de calcaire. Et les gens préfèrent acheter de l'eau. Mais généralement de l'eau de source. Ici nous sommes à Sid El-Houari, si je ne me trompe pas. À vous de me corriger dans les commentaires. Je peux faire des erreurs parfois. Ainsi marché. On va remonter ce côté, ou plutôt de l'autre, c'est mieux. C'est pas aucune idée. Ah, mais on peut monter par là, même si c'est une montée un peu inclinée, on peut le faire. On peut le faire. Tout est possible. Tout est possible. Regardez-moi ça. Ouais, les murs de pierre qui sont tombés. Ouais, quand par exemple ce genre de maison, elles sont irrécupérables. Et oui. Continue la montée. Oh, finalement. Entends des chiens. Ça fait peur. J'espère qu'à l'intérieur de l'église, il n'y aura pas de chiens, parce que là, je vais directement me casser. Je déteste les chiens errants. On va voir. Saint-Louis, on va faire la découverte ensemble. Le truc, j'ai mon vélo avec moi et on est à Sid El-Houari. Ça veut dire que je peux pas laisser le vélo dehors, sinon il va disparaître. Et j'ai peur d'entrer à l'intérieur parce que franchement ça sent l'alcool partout. Donc je veux pas tomber sur de mauvaises rencontres. Je vais voir, peut-être que je vais pouvoir laisser mon vélo juste ici. Apparemment il y a un centre qui est plutôt sécurisé. On va rentrer à l'intérieur peut-être. Et c'est fermé. C'est fermé, la porte est fermée, on peut pas entrer. On peut pas faire la visite à l'intérieur. Hélas. Eh oui, c'est fermé. Lever du soleil. L'archéologie. Non, apparemment c'est fermé. Je peux pas entrer à l'intérieur. C'est dommage, mais bon. Voilà l'église Saint-Louis. Depuis l'extérieur. Parce que c'est fermé. Et je sais que je vais avoir pas mal de commentaires pour me dire que c'est triste. C'est vrai que c'est triste parce que ça nécessite un entretien. Mais pour être honnête avec vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, en face de l'hôtel de ville, Doran, je vous ai dit que pour faire l'entretien de ce genre de bâtiment, il faut des fonds étrangers. Au moins, il faut... Je sais pas moi, que la France ou l'Espagne ou ceux qui ont construit cette église, comme par exemple, ils envoient des fonds pour aider à la restauration. Parce que ça coûte pas mal d'argent. Déjà, il faut des personnes qui ont le savoir-faire pour retaper tous ces murs et tout, refaire les portes et tout. On espère
il n'y a que de l'espoir en Algérie. On espère que ça va être entretenu dans le futur à Sidi Ouali. Voilà, une mosquée juste à côté. Le minaret que vous voyez là-bas. C'est bon. Un petit tour à Sidi Ouali. Ben voilà, Sidi Ouali. Il n'y a plus de cloche. Porte est fermée. Eh oui. Quelle vue, Santa Cruz. Je peux pas vous montrer l'intérieur. Quand les portes sont fermées, ça veut dire que c'est interdit. Mais apparemment, l'intérieur ressemble vachement à l'extérieur. Vous le voyez d'ici. Ah oui. On descend, on redescend plutôt. Descendre de ce côté, changer un peu. Le bâtiment est plutôt bien entretenu. Alors, lever du soleil. Sidi Ouali. Moi, je vais pas m'aventurer à l'intérieur. Sidi Ouali. Plutôt sécurisé. Quartier plutôt sécurisé. Ah, je vais pas m'aventurer, comme je vous ai dit, je vais pas m'aventurer à l'intérieur du quartier. Je fais juste un petit passage, timide. Et on va remonter par le front de mer. On va remonter par... le front de mer. Allez, on tourne à droite.
Regardez-moi cette vue sur le port. Les bateaux de transport. Ah oui. Allez, on remonte. Une vue magnifique.